truc de fou. Alors, qu'est-ce qui va pas? Mais non, mais vous faites que des trucs que je peux pas faire. Quoi, par hasard? Ben là, les effets de cheveux. Si, ça bouge un peu. Bien! Vous êtes en forme? Merci Bill, Vincent et les gaffettes pour votre émission. Merci, si vous pouviez nous dépanner de 250 000 francs, vous seriez vraiment sympathique. Merci de nous laisser les clés de votre voiture, on est à pied ce soir. Signé Grégory Damien. On a encore la Belgique avec nous, J'aime bien quand ils viennent les Belges parce qu'ils nous emmènent dans la bière. Allez, je vous propose d'accueillir notre premier candidat. Les filles, vous allez filer dans vos chambres tandis que j'accueille Carole. Allez, les filles. Ça va, Carole? Bonsoir, je vous présente Bill. Bonsoir, Bill. Et Bill, j'ai oublié de te saluer. Bonjour, Bill. Tu vas bien, Bill? Oh, tu es mon copain, Bill. Je t'aime. Sans toi, l'émission serait impossible, Bill. Ah oh, oui, que ferais-je si tu n'étais pas là? Ça va? Je crois que t'en fais un tout petit peu trop, quand même. Je te présente la très jolie Carole. Bonsoir. Waouh! Eh. Waouh, waouh, waouh! T'as vu? Ton sur ton, hein. Je vous prends sous mon aile. Vous êtes venu avec un fiancé? Non. Vous en avez un? Non. C'est bon, je garde mon aile. Vous avez le micro un peu haut, là. Ouais. Voilà. Merci. Vous nous aviez... Vous êtes originaire d'où? Antilles. Ah, la bonne heure. Martinique, Guadeloupe. Oui. Les deux. Ah ouais? Vous n'avez pas été faite au milieu sur un radeau. Vous êtes venue avec qui, Carole? Deux copines. Les filles? Ah, je vois qu'on a une Antillaise aussi. Soyez la bienvenue, comment se prénomme-t-elle? Isabelle. Isabelle, soyez la bienvenue. Et à côté, en blond, de? Erika, presque antillaise. Oui, mais alors de loin. Faites quoi dans la vie, Carole? Je travaille dans une banque. Dont votre père est propriétaire? Pas. Non, d'accord. Cette belle Grave de chez Grave. Vous faites quoi? Vous êtes sportive en plus? Un petit peu. Vous faites quoi? Du sport en salle en fait, un peu de tout. Ah ouais, on pousse de la fonte, on fait du vélo, on court sur place, tout ça, machin. Ouais, bien. Une passion? En dehors du fait danser, de... Danser. Ouais? Danser. C'est votre truc ça? Ouais. Discothèque, vous prenez des cours de danse? Non. C'est dans le sang. Ouais, c'est ça. C'est vrai qu'on dit que les Blacks ont un rythme... Il paraît. Bouffe. Il paraît. Ouais, ouais, si, ils ont le rythme dans le sang. Les Français aussi, mais nous, on a une mauvaise circulation. Bill, qu'est-ce qu'on propose à Carole? Eh bien, puisqu'elle travaille à la banque, nous allons aller dans un ancien établissement boursier qui était La Corbeille. Tu saisis, Corbeille, banque, bourse, fil rouge, tu comprends? Ah oui! Ça y est, bien. Ah. Donc, on va vous faire une journée de travail d'un patron ou d'un propriétaire de banque. Vous allez vous retrouver dans le fauteuil de votre patron et vous allez faire exactement les mêmes gestes que lui durant toute la journée. Et vous allez jouer en fil rouge, c'est-à-dire vous allez jouer pendant toute l'émission. Okay. D'accord? Pour retracer la journée d'un banquier, il nous fallait au moins 40 minutes. On est parti? Ok. Allez, allons dans le bureau du patron. Alors, c'est un bureau design. Une chaise, moulée. Je peux m'installer? Oui, parce qu'on a mis une chaise pour... c'est mieux de s'asseoir dessus s'il y en a une. Okay. Et vous avez une pile de dossiers, Carole, que vous pouvez déplacer selon votre bon vouloir. Mm-hmm. Le geste d'un banquier est celui-ci, ok? Ça ne m'intéresse pas. Ok. Oh! Une demande de crédit de quelqu'un qui en a réellement besoin. Eh ben non. Ouais, bon. Non plus. Ok. Mais chaque fois qu'un dossier arrive dans La Corbeille, Bill vous offre 100 francs, Carole. 100 francs. 100 francs. Oui, okay. Oui. Vous en mettez autant que vous pouvez. Si vous avez soif, si vous avez chaud, si vous avez quoi que ce soit, 3615 code la gaffe et je fais le reste. D'accord. Ok. Je suis obligée de rester assise? Non, vous pouvez vous mettre debout. Mais vous restez là, quoi, je veux dire. Okay. C'est gentil. Je peux me déplacer aussi un petit peu. T'es raté, même de là. Ok. À tout à l'heure, Carole. Merci. Bon courage. 100 francs le dossier. Oh, j'ai dû, le bigathlon du pognon. Voici venir David. Je ne sais pas si c'est le Ginola, mais voici David. C'est pas Ginola. Oh, c'est pas Ginola. Bonjour Vincent, ça va bien? Ça va bien. David, Bill, bonjour, David, bonjour, David, bonjour, David, bonjour, David, David. Bonsoir David, bonsoir.
Vous êtes typé, vous. C'est des gens comme ça, on se dit, tiens, il est typé, lui. Peut-être de mes parents, peut-être. Ouais, aussi un peu. Généralement, j'ai remarqué un truc, c'est quand on est typé, c'est toujours de la faute de nos parents. Hein. C'est vrai. Vous êtes venu avec qui, David? Avec ma mère et mon casse-croûte. Madame, soyez la bienvenue. Et mon père. Si donc, j'ai vu votre maman, mais j'ai pas vu votre fiancée. Ah oui, voilà, d'accord. Soyez la bienvenue, mademoiselle. Une passion dans la vie? J'aime bien la moto. Et la moto. Non, j'aime danser. J'aime beaucoup danser, mais tout seul, pas en boîte. Vous venez bien pour le bigathlon? Oui, c'est ça. D'accord. Mais c'est pas la moto aujourd'hui, le bigathlon. Non. C'est pas la danse classique non plus, hein? Non plus. Et il vaut mieux aimer le bigathlon qu'on va pratiquer pour atteindre le record qui aujourd'hui est très sévère. Donc vous n'avez pas une autre passion en dehors que de la moto? La moto, la danse, c'est tout ce que j'ai. Bon bah. J'aime le foot. Ah ben c'est bien d'aimer le foot, c'est bien. C'est bien d'aimer le foot parce que en une minute il va falloir faire 130 rebonds. 131 voire. Il y en a eu 130 de fait en une minute, il en faut donc 131 pour remporter la modique somme de... Modique, 50 000 francs, il appelle ça modique, patates. Il est un peu dur, comme tout le monde l'a dit. Vous avez le droit de faire 2-3 trucs, là, allez-y, juste pour prendre conscience que c'est pas... Voilà, 2-3, hein, 2-3. Oh, c'est... Hop, voilà. Donc, il y a 130 pour... arrivé au record, il en faut un de plus minimum. Si vous avez le temps, enchaînez. Si au bout de 20 secondes, vous tombez, vous avez le droit de continuer pour jouer, mais c'est pas sûr qu'on continue à compter, nous. Hein. OK. OK. Donc, la seule règle, c'est que vous ne pouvez pas faire rebondir le ballon plus de 2 fois sur la même partie du corps. Et donc, les bras, je peux? Au football? Un membre, c'est un membre comme un autre. Pourquoi pas? Enfin, j'ai tenté, on sait jamais. Je ne réponds pas. Hein. T'as vu, moi non plus, hein. Oui, bah oui. Le torse, la tête, mais tout ce qui touche l'épaule, le bras, la main, tout ça, on oublie. Non. Hein. Ah non, l'épaule, on n'a pas droit. Si l'épaule, on a droit. Si l'épaule, on a droit. Okay. Bah allez-y, faites nourrir. Hein. David, c'est vous qui démarrez le chrono. Quand vous démarrez? Et je demanderai au public de ne pas compter en même temps que moi, parce qu'on va se tromper. Quand vous voulez. 1, 2. C'est d'un coup qu'il faut les faire, hein. Bah, c'est gros. 9, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 52, 53, 61, 68, 70, 72, 114, 124, 148, 2026, 10 950, 2 895. C'est terminé! Navré, désolé, David, vous avez tenté votre chance, mais bon. C'est pas le même revêtement, c'est le ballon plus gonflé que d'habitude. Il y a le public, il y a les caméras, il y a la lumière, il y a l'attente, il y a l'angoisse, il y a le stress, il y a le spleen, il y a le spoof. Et vous avez échappé aux 50 000 francs, qui passent à 60 000 grâce à vous. Et je vous pose la question, auriez-vous rejoué? Je pense pas. 5 patates, ça fait réfléchir. Hein. C'est sûr. On fait comme ça? On fait comme ça. Regardez ce qu'on avait mis derrière le rideau. Oh, comme d'habitude, un petit truc, 4 roues, ça roule, 46 900 francs. Un truc qui énerve. David, encore merci. Merci d'avoir tenté votre chance. Passez par le tunnel. Salut à vous. Au revoir, David. Le top 3, voici venir Linda. Bonsoir, Linda. Bonsoir, Vincent. Ça va bien? Ça va et toi? On va bien, je vous présente Bill. Bonjour, Bill. Bonjour. Bonjour, Félix. Tu vas bien? Vous êtes pleine de vie, vous? Ah oui, toujours. Alors, il faut que ça bouge. Avec qui vous êtes venue? Avec ma fille Eva. Eva, là, ça va bien? Et une de mes amies, Valérie. On est différentes. Vous êtes mariées? Je n'ai pas de casse-croûte. C'est bien ça, c'est bien. C'est une denrée rare. C'est une denrée rare. Oui. Par contre, vous aimez la vie apparemment? Ah oui, moi, il faut que ça bouge. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis secrétaire. Dans quelle branche?
dans un centre scientifique du bâtiment. Vous êtes sportive ? Oui. Qu'est-ce que vous faites ? Elle a une pêche. Je fais un petit peu de fitness, tout ça. D'accord. Un petit peu de musculation. Une passion dans la vie ? La musique. Dans la peau ? La musique et la danse. Vous avez envie de nous chanter quelque chose ? Même de nous danser, hein, si vous voulez. Ouais ? Qu'est-ce que vous voulez faire de nous chanter ? Comme les rois mages, de Sheila. Ah ouais ? Eh ben oui, eh ben oui. Ah ben alors, ah ben alors, enfin qu'est-ce qu'on veut ? Allez, un, deux, trois. Comme les rois mages en Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai. Fidèle comme une ombre jusqu'à destination. Bam, 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 bam. Voilà. Allez, voici les rois mages remixés par la MiSP. Salut tout le monde! Ça va, Vincent? Ça va bien? Je te, je te présente... Linda. 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 Ça va, Linda? Ça va bien? Oui. Ouais. Approchez-vous. Linda, je... voilà, non, ben, normalement, tu dis bonjour les filles. Les filles fenêtres, ah, c'est plein de mal, votre truc. Bonjour les filles. Ça va? Elles sont en forme. Bill, tu vas bien? Attention, il y a un mec dans le vestiaire, je vais couper ta t-shirt. T'as encore le zomblou, Bill, mais vas-y, c'est l'été, là. Bien, on va vous faire une petite démo de la musique, histoire que vous nous disiez si vous entendez bien. D'accord. Et n'hésitez pas à nous dire si vous n'entendez pas. D'accord. Oyez, oyez. C'est-tu part pour une démo de ouf? Plus fort? Ouais, un tout petit peu. Ah oui? Un petit peu plus fort, la dame. Ça va, c'est bon? C'est bon, là? Bam 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 bam. Allez, joli enchaînement de disques. Vous connaissez les règles du top 3 ? Oui. Alors, il y a une petite interrogation. Vous avez 15 secondes pour me donner une réponse. Vous n'avez pas le droit de regarder... le public. Vous devez me, vous devez me donner le titre de la chanson en français. Le titre intégral. Si c'est étranger... l'un ou l'autre. Oui, vous auriez pu répondre, on s'en fout. si vous en gagnez 3. Ben, je gagne pas mal de choses, ça je le sais. Et le quatrième en plus. Voilà. Allez. Vanessa Paradis. Oui, elle chante. Eh oui, Vanessa Paradis, on l'a trouvé. C'était Marilyn et John. Marilyn et John. Marilyn et John, Vanessa Paradis. Oh, c'est ballot, comme dirait Fabrice. Bon, on élimine le premier, adieu le grand chelem. Allez, venez. Linda. Allez, Clarisse. Clarisse. Elle est blonde, hein, comment ça, elle s'entend. Elle est blonde. Ah. On se comprend. Eh oui, il fallait pas l'oublier celui-là. C'est l'appareil photo numérique qui prend en photo les numéros. Ah, ça c'est terrible, il est tout petit, très pratique. Et puis alors, bon, je peux vous dire, je l'ai essayé, il est comme ça, c'est comme ça, puis vous l'avez perdu, alors regardez-le, prenez les boules, quoi. 4990 francs, hein, dommage, hein. Dommage. Hein. Ah ouais, ben c'est... oh là 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 là, ben c'est la vie, hein, c'est comme ça. Ouais. Hein? Il a piqué, il a piqué. Non, c'est pas moi, j'allais pas... bon, je suis pas hacké, il s'est pas s'en servir. C'est pas Jessica, c'est, pas Jessica. Linda. Ah, Linda, je sais plus, moi. Allez, roule ma poule. Deuxième morceau. Khaled, Khaled, ça suffit parce qu'il chante pas en français, il chante en arabe. Titi, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que je te dise? Qu'est-ce qu'il y a, Vincent? Qu'est-ce que je te dise? Eh, c'est gagné. Bah, et tu me dis Didi, moi je te dis quoi? Je dis que c'est gagné. Ah oui, d'accord. Ah, Didi, oui, c'est le titre de la chanson. C'est gagné, oui, oui. Allez.
Le deuxième est gagné. Il reste que de la brune en magasin. C'est 10 000 là ? Ah non, non, on a gagné là. On a gagné là. Là, il faut prendre la boîte à clé là. Qui est-ce qui a la boîte à clé ? C'est toi qui a la boîte à clé ? D'accord. Oui, mais attends, c'est un peu facile, c'est au candidat de choisir. Oui, gagné ! Oh, mais non, mais je suis pas d'accord, moi. Vous voulez pas que je donne les titres des chansons tout de suite, pendant qu'on y est ? T'as pas gagné du temps, ça serait chez moi, hein. Eh ben, moi, je rentre à la maison, et puis, puisque tout le monde... Non, mais... Bill, non, non, notre amie Linda avait déjà choisi, lorsque je lui ai dit, choisissez la voiture, c'était une boutade. Une quoi ? Une boutade. Tu parles une connerie ! Ah ! Oh. Bon, un petit dernier pour la route ? Oui, pour la route. Allez. Mais le bon gars sonne, et effectivement c'est François Feldman, et là il chante en français. Hein. Et regardez, bah, sans vous faire les valses de Vienne. Les valses de Vienne. Oui. Eh ouais. Malheureusement, on a perdu le dernier. Bon, alors, c'est bien d'avoir la boîte à clé. Mais qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est dans l'inconnu total. Ma Vava, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Vava, qu'est-ce que t'en penses, chérie? Qu'est-ce que tu penses, ma puce? Faut pas demander aux enfants. Après, non. Ils sont responsables toute leur vie. Bon, venez par ici, de toute façon, parce que ça va se passer là. C'est soit la boîte à clé sans savoir ce qu'il y a, soit le rideau sans savoir ce qu'il y a. Mais c'est fini, oui. Elle sait pas ce qu'il a. Non, mais on sait que... On sait ce qu'elle a, elle, par contre, nous. Hein. Bon, allez. Et l'autre, prenez ma boîte, prenez ma boîte, ma boîte. Mais prenez-la, ma boîte. Moi, je prends oui, elle est là, que... ma boîte, prenez ma boîte. Oh. Moi, je prends la boîte. Bon, la boîte. Eh ben, on prend ta boîte. La boîte, ah non, mais avant, 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 oui. Avant. Oh non, tiens, si on le faisait dans l'autre sens. Si on l'a jamais fait dans l'autre sens, on peut le faire dans l'autre sens, Bill. Je n'y vois aucun inconvénient, ah non, non. Faut le faire dans l'autre sens, parce qu'après, les fifnettes, elles doivent partir, et s'il y a une voiture, on est embêté. Parce qu'en plus, là, il y a une voiture. Vu que vous prenez pas le rideau. Moi, je suis pas de joueuse. On prend toujours la boîte ? Oui, il y a une voiture, là. Oui, mais je prends la boîte. Vous préférez pas une voiture ? Non. Voiture. D'accord. J'en ai besoin, mais bon. D'accord. On va ouvrir la boîte, pendant ce temps-là, on va regarder ce qu'il y avait derrière le rideau. Oh là là là. Et bien, il y avait la voiture derrière le rideau, tout un peu. Non, c'est une poupée. Une poupée. Une jolie poupée. Oui, dans ce cas, une poupée. Un quart de tour à gauche, et ça s'ouvre comme ça. Oh, il y a du cadeau dans l'air, Vince. Hop. Comment ça? Oh plus, oh plus quoi? Oh plus quoi? Ta balle! C'est la voiture! C'est la voiture à 59 900 francs! Oula, c'est... Oh tiens, attends qu'il va s'en faire. Attention, t'es bien. Ça va. Ça y est, c'est fini. Tout le monde est fini. Elle se jette sur un SP. Elle revient! Bon, c'est cool. Ah ouais, bravo. Je t'ai dépoté. C'est pas grave. Tenez, voilà la clé de votre auto. Je vous en prie. Allez-y, montez dans la voiture. Merci. Vous en prie, Linda. Ça m'a fait plaisir. Allez, montez dans la voiture. Je vous en prie, Linda. C'est pas grave. Non, non, toi. Merci. Merde, c'est fermé. Tu te sens bien, toi. C'est moi qui l'offre. Merci, Vincent. Salut, Linda. Allez, Vincent, moi, je parle avant Linda. Salut à Spé, ciao à toi, salut mec. Salut les filles. Ça m'a fait plaisir, Linda. T'imagines, elle aurait pris le rideau au dernier moment. Ouais, mais elle m'aurait peut-être dit merci. Allez, dégagez-moi le praticable de l'ami Aspé, et puis on va aller voir un petit peu du côté du propriétaire de la banque, s'il a classé des dossiers ou pas. Si vous pouvez vous dépêcher un peu, hein. Oh, fais pas le malin, toi, hein. Ah non, c'est pas toi, c'est lui. Ouais, fais pas le malin, toi. Au revoir. Alors, on s'en sort pas mal, là. Oui, c'est vrai. Alors, je me tourne vers l'ami Jacques qui me dit que 31 dossiers ont atterri dans la corbeille, ce qui vous fait 3500 francs. C'est pas mal. L'important, c'est d'avoir mis au moins un papier pour revenir au big deal. Ouais, ok. À tout à l'heure, Carole. À tout à l'heure. Allez, on enchaîne avec le quatrième deal. Voici, mesdames et messieurs, sous vos yeux ébahis, voici, Caroline.
Bonsoir Caroline. Bonsoir public. Bonsoir Caroline. Bonsoir Bill. Comment allez-vous, Caroline? Ça va très bien. C'est bon, et vous êtes vachement bien. Continuez, allez-y, allez-y. Bon, alors, voilà. Ça non, va, vous avez la pêche? Alors moi, comme je vais faire... Demandez à Bill, demandez à Bill, adressez-vous à Bill. Je fais quoi, Bill? Oui, alors attendez, venez plus près de moi. Non, 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 non. Alors, le jeu est très simple. Nous allons dîner au restaurant tous les deux ce soir, et il vous faudra trouver... le restaurant de vos rêves, et je vous l'offre, tout simplement, voilà le jeu. Voilà. Un flûte Vincent est revenu. Oh, j'ai oublié votre prénom sous l'émotion. Caroline. Ah oui, Caroline. Vous faites quoi, Caroline, dans la vie? Je suis institutrice. À la bonne heure. Merci de vous occuper avec tant de charme de nos enfants. Avec qui êtes-vous venu? Avec mon papa et ma cousine. Soyez le bienvenu, bel homme, et votre cousine. Ça va, toi? Bonne bouille, un joli sourire. Vous êtes fiancé? Non. C'est bien, c'est bien. Ouais! Pas encore. Bah oui, puisque je l'invite à dîner. Normal. C'est pas un petit ami, si, si. Ah si. Ah, il y a déjà un petit ami, il faudra l'inviter aussi. Vincent? Oui. Il mange pas beaucoup. Il mange pas beaucoup, ça va. Ouais. Oh, puis il gardera la voiture. vous avez décidé de venir sur le plateau du Big Deal? Oui. Car sur votre fiche technique, on a lu un truc et on s'est dit, on va faire quelque chose pour ça. Alors, en deux mots, Bill, qu'est-ce que ça va faire notre copine? Voilà. Alors, mon ami Caroline, nous allons procéder à un jeu qui est très, très, très sympathique. Vous allez voir des photos des gaffettes en train de pratiquer. Ah ouais, voilà, c'est bon, ok. Alors, vous inquiétez pas, il va revenir au secours, vous allez voir. Oui, alors, on va voir une photo. Alors, par exemple, on va avoir une photo de deux personnes qui jouent au ping-pong. Mmh. OK? Alors, faites l'autre, vous. Ah. Ah ouais, mais vous jouez bien, là. Hein? Alors. Des années de pratique. Ah ouais, non, mais restez, parce qu'on est en photo. Ah. On a l'air con, là. Il y a la balle quelque part entre nous deux. Ah, et il y aura sur la photo deux caches. Et il faudra réussir à deviner sous quelle cache est la balle de ping-pong. Si c'est du ping-pong, parce que par exemple, si c'est du football, c'est plus gros, hein. D'accord. Ok. Oui. C'est ça, Bill. Enlève l'oreillette et refais-le. Oh, pastoche. Il y a quelqu'un qui souffle tout. Oh, facile, hein. Moi, je fais ça tout seul. Bon, allez, reprenons le cours de notre jeu. Il va y avoir une photo, donc, où, dans une action sportive, généralement, et l'objet du sport... balle de tennis si c'est le tennis, ballon de volley si c'est volley, frisbee si c'est du frisbee, va être caché en deux endroits. Il faut deviner, d'après le regard, la position, où il est. Chaque fois que c'est une bonne réponse, là, Bill, je n'ai autre alternative que de me tourner vers toi. Attends, je règle mon oreillette et elle me dit 2500 francs. Et attention, nous n'avons que 15 secondes. On a 15 secondes. Il y aura combien? 3 photos? Oh, il y aura 4 photos. 4 photos. Et dans les deux premières, il faut avoir au moins une bonne réponse pour accéder au rideau intermédiaire. On est parti. Approchez-vous. On a 15 secondes. Regardez bien. Du basket. Où est le ballon? En 1 ou en 2? 1. Vous dites que le ballon est en 1? Ouais. Non, 1. Ouais. Parce que les filles sont les en l'air. Les filles essayent de faire un contre et je pense que Rosa a lancé le ballon. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison que Clarisse ait déjà les mains en l'air si le ballon lui a... Donc on dit en 1. En 1. On dit que le ballon est en 1. Bah c'est bien, dites-le. Et c'est gagné. 2500 francs pour Caroline. On a déjà accès au rideau intermédiaire. Une petite deuxième, toujours dans le sport. Les filles, qu'ont-elles fait pendant la répétition cet après-midi? Elles ont joué au volley. Au frisbee. 2. Vous voyez en deux, vous? Oui. Moi, j'ai l'impression que Clarisse, elle regarde vers le 1. Non, elle essaye de rattraper le... Sinon, elle aurait ses mains plus en haut. Non, 2. Moi, je dis 1. Vous dites 2? 2. On dit en 2. Bah, dites-le. 2. Bien. Bravo. Et c'est en 2. C'est un délire. Caroline a un très bon sens. Il en reste 2. On les prend ou on les prend pas? Je continue. On continue? Ouais. On s'arrête pas là? Je continue. Regardez ce qu'il y avait derrière le rideau. Elle me fait très peur, Vincent, car elle a deviné que derrière le rideau, il y avait un petit lot de pense-bêtes. De pense-bêtes papier, d'une valeur de 45 francs. Elle est très forte, Caroline, elle est très forte. Ouais. Oui,
Vous avez une pêche, vous, c'est terrible. Allez, troisième photo, on est parti pour un grand chelem. On joue au badminton. Non, à la, au baseball. Bien, la batte de baseball est où? En deux ou en un? Deux, deux. Moi, je la vois en un. Non, deux. J'ai l'impression que Lynn a foiré son coup et que Rosa non, la regarde. Non, parce que sinon, Rosa, elle aurait déjà bougé. On dit en deux. Deux. Ouais, deux. On dit en deux. Moi, je dis en un. Eh bien, dis-le. Un, les deux. Bravo. Mais ça... Oh, Vincent, moi, j'ai très peur du grand chelem, là. Attention. On a 7500 francs. C'est bien. Encore une et on fait 10 000. Ouais. Encore une pour 10 000, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est pas cette partie. Là, c'est du volet. Un. Ouais. Un, un. Ouais, moi aussi, je dis un. On dit le 1, Bill, dis-le. Un. 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 Eh oui, c'est le 1. C'est un grand chelem. C'est extraordinaire. Félicitations. Toutes nos salutations. Merci. Voilà, tout pour faire. Bon, vous nous avez énervés. Je suis désolée. Alors, on va se calmer. Et on va se retrouver après la pub. Je pars en vacances. Tu veux venir avec moi? Tu veux venir en vacances avec moi? Mais je peux pas emmener toute ta famille. Tu vas être triste si tu viens pas. Mais tu sais que je t'aime bien quand même, hein? Est-ce que j'ai mauvaise haleine? Nijad, tu me donnes un bisou? Donne-moi un bisou. Oh, c'est joli ça, mon ami Vincent. C'est beau, Vincent. L'amour, hein. C'est beau. Oui, Bill. Eh, mon ami Vincent, oui. je me suis permis de préparer une petite surprise. Oh, t'as bien fait. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau du Big Deal. Et avant de savoir si notre ami Caroline. Va rejouer ses 10 000 francs ou pas, Bill nous a préservé d'être fait une surprise très triste. Oui, regardez le grand écran, Caroline, car c'est un jeu pour vous. Regardez bien le grand écran. Venez voir. Regardez. Grand écran. Alors, ah ouais, bien. Le 1 ou alors, le 2? Elle est où la balle de ping-pong? 2. On dit en 2. Allez, en 2. Qu'est-ce qu'il y a derrière le 2? Il y a Bill. Oui, il y a avec Bill. Bravo. Bravo, le truciste. Bon. Il est tout rouge. Mais bah oui, mais ça, dès qu'on lui fait de l'effet... Oh ouais. Il est con. C'est pas grave, moi aussi, Bill. Là, je deviens rouge. Non, mais dandinez-vous aussi, tant qu'on y est, là. Bon, 10 000 francs. Vous êtes venu avec qui? Avec... Mon papa et ma cousine. Vous pouvez être fier de votre fille, hein. Eh, cousine d'enfer, hein. Vous avez des frères et sœurs? Non. D'accord, fille unique. Ouais. Tout l'héritage pour vous. Oui, mais enfin, mon papa est jeune, donc... C'est vrai. Ah, faudra attendre un peu. Quelle horreur. Bon, alors, une patate ou le rideau? 10 000 francs! 10 000 francs! Attention à la pas du gars, 10 000 francs. Bye. 10 000 francs, mètre d'impôt. Non, je prends le rideau. Vous lâchez. Pour jouer, hein. On est fou. Ouais, on y va. On est fou, le monde est fou, 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 rideau. Non, le Japon, vous partez. Oh, là. Regardez le grand écran, regardez. Merci, Bill. 38 550 Ah, quand même. Vous êtes parti une semaine. Ah, quand même. Allez, gâteau. Allez, gâteau. Oh, super. Bravo. Bon, c'est pas fini parce que si vous êtes complètement folle et si vous êtes réellement venue pour jouer. Non, ça va aller. Allez savoir. Mais bon, je reviens quand même. À tout à l'heure, Caroline. Merci de votre visite. Allez, pour le dernier disque, je vous propose d'accueillir Sandrine et Frédéric. Sandrine et Frédéric, soyez les bienvenus. Merci. Sandrine, c'est vous. Ça va bien? Oui, et vous? Frédéric, bonsoir. Bonsoir, Vincent. Bonsoir, Bill. Bonsoir, Bill. Le public. Bonsoir, le public. Bonsoir, Sandrine, bonsoir, Frédéric. Je vous en prie, faites. Non, ça va aussi. J'espère que Frédéric n'est pas jaloux. Êtes-vous fiancé, marié, frère et sœur?
Non, meilleur super ami. Copain. Ah voilà, tu vois, hein, on a bien fait de demander avant de gaffer. Bah oui, oui, oui. De votre côté, il y a un homme dans votre vie qui compte? Non. Rien, en ce moment, libre comme l'air. Oui. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie? Alors, je suis en BTS assistant de direction. Très bien. Alternance. À la bonne heure. Et vous-même? Ajusteur. Marié, fiancé, des enfants? Idem quel. Ah ouais, et il y a combien de temps que vous vous connaissez? 6 ans. Au moins, oui. 6 ans que vous vous connaissez, ouais. Donc vous vous appréciez. Ah ouais. Meilleur ami. Parti en week-end, vacances, ah oui, tout ça. Mais... tout. Et rien. Non. Mais je veux dire, non, mais parce que pas un truc important à long terme, mais juste un. Rien. Que nenni, non. Rien. Oh, j'ai du mal à le croire. Vous êtes tellement beaux l'un et l'autre. Le but du jeu est très simple, c'est de se faire placarder. C'est bête comme chou, mais c'est pas évident à faire. Alors, on va vous harnacher de 2 élastiques qui vont nous permettre de nous donner une certaine souplesse. Voilà. Et alors, ouais, au millimètre, hein. Bien. Bien. Alors, j'attache où? Devant? En haut? Au milieu? Ou tout en bas? Tout en bas. Aïe! Bien. Allez, maintenant que vous êtes attachés, on va vous dire des gros mots. Alors, vous ne bougez plus. Vous lui facilitez le travail, mais quand on va le hisser sur les élastiques, ça sera à vous de le prendre et voilà, de le rentrer dans le truc. Okay. Et vous avez pour ça combien de temps, Bill? Eh bien, nous avons 20 secondes. Nous avons 20 secondes pour faire cela. Et surtout, on mettra la caméra ici et rien ne doit dépasser. D'accord. OK? OK. On est prêts? Tenez-le parce que déjà, il va partir en arrière. Allez-y, vous allez voir. Top chrono, c'est parti. Voilà. Ouais, bien, bien, vas-y, facile. Vas-y. Le premier facile. Ouais. Y a rien qui dépasse. Je confirme, rien ne dépasse. Sortez-le. Sortez d'ici tout de suite. Bien vu. Et vous venez de gagner 150 francs. Bravo. Mes félicitations, bravo. Nous allons jouer pour 300 francs maintenant, hein, 150 francs supplémentaires. Et oui, pour ceux... Merci, Vincent, vous allez merci. Devoir placarder votre ami dans la deuxième figurine. Avancez-vous un petit peu, voilà. Tournons une page. Oui. Je suis en train de me dire quand même, 150 francs, c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est peu, hein, c'est très peu. Tu vois? Mais bon, je mets un peu plus. Oui, sois grand. Ça va être difficile, je vais essayer. Je te mets les jambes d'abord et puis t'essayes de mettre... Je t'ai dit, voilà, c'est ça. Allez. Moi je propose... Oui, t'as raison, la patte, attends, on y va, allez, on est con, si c'est du business, ça bouge. Hey 3 000 francs, mais je viens de le dire. Combien? 3 000 francs, toi, mais tu m'écoutes pas. La personne t'avait entendu, je te signale. Tu vois, tu l'as dit, tout le monde l'a entendu. Bon, alors, la position de la gazelle fragile. Tu sais qu'il le fait bien, hein. On est prêt? Oh, il va partir en avant, là. Bah! Je le retiens quand même. Allez, top chrono. Oh, oh. Ouais, ouais. Ah! Il ne doit pas bouger les membres. Là, vas-y. Le bras, passez le bras. Le bras. Attendez, est-ce que rien ne dépasse? Il reste 5 secondes. Mesdames et messieurs, nous sommes à 6 000 francs. Ouais, vous gagnez! Sortez d'ici tout de suite! Oh! Bien, alors, soit vous désirez tenter le grand chelem et gagner les 9 000 francs en prenant la troisième et dernière figure. Si vous n'y parvenez pas, peu importe, vous avez déjà les deux premières qui vous sélectionnent au big deal. Ou alors, vous décidez de vous arrêter ou prenez le rideau. On continue. Bien, alors, d'accord. D'accord. Mais là, vous oubliez le jeu et vous restez dans la stratégie. Mais pensez bien un truc, c'est que si la première figure a été celle qu'elle est, la deuxième un peu plus compliquée, la troisième, à mon avis, c'est pas un cadeau, hein. Non, je... On joue? On s'en revenu? Ouais. Regardez s'il y avait derrière le rideau. Mais non, je vous offre... Vous êtes tellement beau. Je vous offre Venise. Parce oui, que mais ils vous sont pas auriez... amoureux. Mais même des amis peuvent tomber amoureux sous le charme de Venise. Oh oui, mais et ça vaut 6 ans... Oh bah 11 000 francs, parce qu'ils ne sont jamais allés à Venise. Ah oui, c'est vrai, mais ils iront pas du coup, hein. Ouais, bah 11 111 francs qui viennent leur passer sous le nez, voilà. Bon, on joue pour 9 000 francs, de toute façon 6 000 sont acquis, tournons une deuxième page sur ce... nous on est prêts, hein, c'est... Voilà. Ah bah oui, hein.
Là, c'est la position du mec qui a raté la, base, la balle de baseball, tu vois. Bah comment ça, quelle horreur. Faut que tu te mettes de face. Déjà. Mais non, je sens qu'on va rigoler, voilà, nous. Ouais. Allez, dernière figure, 20 secondes, top chrono. Vas-y, arrête. Ah, la jambe, elle est pas dedans. Ah, ah. Oui, ça y est, presque. Oui, on y est, on y est. La jambe. Le bras, le la bras. Main, là. Ah, le coude, oui. Voilà, et il reste comme ça jusqu'à la fin de l'émission. Voilà, merci, adieu Frédéric, au revoir. Merci, voilà, au revoir Frédéric. Voilà. Alors, vous êtes célibataire, vous êtes devenu sans amis. Il s'est endormi. Il est à la page. Venez nous retrouver. À la page. Bravo. Belle démo. 9000 francs. Bon. Qu'est-ce que je fais? Je le lâche? Ah ben c'est mieux, hein. 9000 francs. Deuxième rideau. On garde. 9000 francs, on les garde? Ouais. On fait comme ça? On verra. Approchez-vous. Et je dis rideau. Et eh bien voilà ce qui symbolise Frédéric et Sandrine, ouais, la veste. Oh, excellent, excellent. Une belle veste. Pourquoi d'une valeur de 305 francs. Ils t'expliqueront. Moi, je vous propose d'aller vous désaltérer deux petites secondes dans les coulisses en passant par l'escalier, puis on revient voir ce qu'on fait de ces 9000 francs. OK. À tout à l'heure, merci, merci les amis. Bien joué. Voilà. Voilà. OK. Voilà, c'est bon, là. Voilà, OK. Allez, on y va, les gars. Allez, voilà. Oh, voilà, allez-y. Oh, le chef de chantier. Voilà. Chef de chantier, moi. Attention, à droite. Ah, oui. Voilà, c'est bon. Allez-y. Vous le garez ou mettez les pièces dans le parc-mètre, j'arrive. La technique est excellente. Elle en a préparé plusieurs pour régler son tir. Ouais. Oui. Oui, bah, c'est bon, on l'arrête, là. On va terminer. Bravo. Ça va? On y prend goût, hein, on va dire. Allez, venez, venez me retrouver. Bien, alors, vous aviez... vous deviez impérativement... Parce que maintenant, il va falloir les compter. Alors. C'est tout? Il y en a un petit peu, là. Est-ce que vous savez combien vous en avez mis ou pas? À peu près 110, je crois. 110? Ouais. Moi, je vous donne ce que vous me dites, hein. 110. 110? 110, ouais. ~110 Vous pensez que vous en avez fait 110? 100... Ouais, 110. Moi, je vous donne ce que vous allez me dire. 400. Dites 400 pendant que vous disiez. On va dire 300, ouais, 300. Ouais, bien sûr. Hollywood, c'est Hollywood. Soyons sérieux. Je me sens agressé, là, d'un coup. Alors, non, vous en avez mis pratiquement 110. Vous en avez mis 112. Ah. Ce qui nous fait 11 200 francs. C'est ça, Bill? Tout à fait, pour la vivace, tu es fort. Très bien. 11 100 francs. Ouais. Attention, Vincent, attention. Attention. Oh, là, 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 là. Vous partez attention. Dans tout... Attention, mes attention. Amis. Attention, ah, attention. Bah, oui, attends, je dis attention. Pourquoi dis-je attention? Attention. Parce que... Oui, parce que c'est fil rouge. Qui dit fil rouge dit... Double choix. Double choix. Je connais. Vous savez ce qui se passe? Ouais. Allez, vous mettez... derrière. Ouais, ici, là, vous mettez là, comme ça, là, vous mettez là. Vous connaissez le mouvement? Non. Donnez-moi l'idée que vous avez. Ah, on peut faire ça, hein. Avec la musique? Ouais, on va faire ça, on va faire... Attention, hein, c'est rapide, hein. Ouais. C'est rapide, hein. Par là. Non, ça va être trop rapide. Faut voir, justement. On verra bien, on verra bien. Et chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Okay. Alors, attention. Double choix! T'es gagné! Ah, mais depuis longtemps. Ah, c'est ça, le talent de l'improvisation, c'est terrible.
Bon, 11 500 francs, rideau, écran. 11 500 francs, rideau ou écran. 200 francs. 11 200 francs. Où je garde. Où vous gardez. Je garde. Regarde, ouais. Il y a un beau cadeau et un pas beau cadeau, hein, c'est sûr. On va pas prendre de risque. 11 200, c'est bien. Ouais. On fait comme ça. Ouais. On garde ça. Ouais. On garde ça. Ouais. Qui aurait pris le rideau? Regardez si vous auriez gagné. Eh bien, vous auriez gagné 99 francs, mes chers amis. C'était une jolie petite carte à pub, soldat. Eh bien, derrière l'écran, il y avait l'ensemble. Télévision, lecteur de DVD, plus DVD, 8 142 francs. Vous avez fort bien joué. Dans les deux cas, vous avez bien fait. Je propose à mon ami Bill de faire les annonces quotidiennes pendant lesquelles je vais me désaltérer. Restez avec moi. Et puis ensuite, on va lancer le Big G. Attention! C'est une annonce qui va aller très rapidement, car vous le savez, vous pouvez faire partie du super public de l'émission. Oui, il vous suffit d'appeler David, bonsoir David, ou Jérémy. Bonsoir, ici Jérémy. Et vous appelez le, attention, à partir du mois d'août, et nouveau numéro de téléphone, le 0825 89 90 91. Oui, excuse-moi, j'ai oublié de taper le numéro de téléphone, on peut pas. Voilà, vous l'avez noté. Et si vous voulez essayer de battre un bigathlon, quel qu'il soit, alors faites vite, attention, numéro de téléphone bigathlon, attention, t'es bon, bientôt, voilà, 0-892-704-707 ou alors le 3615 code TF1. Je vous propose maintenant de retrouver l'extraordinaire Vincent Lagarde. Les gars, voici le Big Deal. Eh oui, c'est le Big Deal avec en première position la très jolie Caroline qui part au chapeau pour 38 550 francs. Deuxième, Carole, qui a fait un carton, 11 200 francs. Troisième, Sandrine et Frédéric avec 9000 francs. David a perdu. Et alors Vincent, ensemble, nous allons revoir les images de Linda. Linda qui gagne la voiture. Et là, regarde bien. Voilà, alors déjà, là, elle t'embrasse. Là, toi, là, c'est extraordinaire. Voilà, la voiture arrive. Et là, elle te saute tout dessus. C'est extraordinaire. Tu viens te réfugier tellement tu as peur dans mes bras protecteurs. Là, c'est un spectre très rare. Il embrasse une colline. C'est un scoop. Et là, voilà, elle nous fait coucou. Merci à tous. Au revoir et à bientôt. Elle est formidable. Vous êtes censé partir au Japon. Oui. Avec qui vous allez y aller? Avec mon ami, je pense. Ouais, ça va. Il est partant pour le Japon? Ouais, je pense. Il adore les voyages, il n'y a pas de problème. Quelle figure effraie si d'un coup vous rejouiez votre voyage? Il verra un peu pâle. Comprendrait pas bien, pépère. Non. Surtout si vous repartez avec un râteau. Oui, ouais. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc du coup, on ne va pas prendre de risque. Non, on va s'arrêter là. Ouais, je suis très content. J'ai été enchanté de vous rencontrer. Moi merci aussi. De votre visite. Mettez-vous à la queue, restez avec nous. Carole, qui aurait pu, avec la télé, puis finalement, a bien joué d'un bout à l'autre, puisque rien n'égalait les 11 200 francs. Que va-t-il en advenir? Vous avez gagné quoi, vous? 9000 francs. Ouais. L'affaire est bonne, hein? Ouais. Ah oui, ça va. Oui, donc 9000 francs, vous les rejoueriez? S'il y a moyen. S'il y a moyen, oui, mais enfin bon, donc là, y a pas, c'est pas par rapport aux autres, parce que 9000 francs, c'est bien. Donc non, c'est mais à j'aimerais vous. Bien savoir quoi ce qu'ils veulent faire. Ah oui, s'il y a moyen de rejouer, peut-être qu'ils rejoueront, ah mais oui, après, c'est fini, il n'y a que à 9000. Ah oui, d'accord. Donc n'ayez aucun remords, je veux dire, si vous êtes gêné par rapport aux autres candidats, là, c'est pas utile. Elle aurait gagné un poireau à 2 balles, oui, c'était. Bon, je vais écouter mes copines. Ouais. Je vais rejouer. Vous rejouez? Oh non, 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 non. 11 000 francs. Ouais, ouais, trop fort, tu joues. Bon, 9000 francs, vous vous en sortez bien. Et ça, puisque vous êtes des amis, à mon avis, ça va vous faire une belle rallonge pour les vacances. Très bien. Salut à vous. Merci pour tout. Combien on s'embrasse? 2 fois, 4 fois chez vous? Fois. Encore deux. Regroupement. À bientôt, merci de votre visite. Carole, on est parti? Ouais. Allez. Écoutez, d'abord, il y a un truc, c'est un délire, c'est des trucs de ouf. Bon, Carole, à nous. Très bien. L'étoile de la sœur, la fusée du frère, le stylo de la mère. Voulez-vous que je demande au public? Bon, d'abord, la Belgique, vous prendriez quoi? Le frère. Qui prendrait le frère comme la Belgique? Le frère. La sœur? Sa mère? Il y en a qui ont voté 3 fois, ils n'ont pas compris la question, hein. Caroline,
La mère, en hommage à la mienne. En hommage à la vôtre. La mère aussi. Oui. La mère. La sœur. Ah, ils sont pas complètement copains, hein. Moi, je vais éliminer la mère. Le stylo. Ouais. La mère, on élimine. On élimine la mère, les filles. Hein. J'élimine la mère et puis... On verra après. On élimine la mère. Il y a une malédiction en ce moment. Hein. Eh oui, il ne faut jamais écouter ses amis, je le dis sans arrêt, parce que vous avez perdu le papier à lettres. 99 francs. C'est pas tout bénef à 11 200 balles. Qui prendrait pour finir la sœur? Le frère? Oui, d'accord. La sœur? Le frère. Le frère. Sur la sœur. La sœur. J'en ai marre de cette nanana, marre de cette nanana. Pourquoi? Parce que j'aime bien le frère. Le frère. Le frère. Le frère. Le frère. Eh bien oui. Allez. 11 500 francs. Allez, ouais. 200 francs. Rejouez. Allez, pour ouais. 12 162 francs. Vous partez en vous Turquie. Vous gagnez 9 000 francs de plus. Pendant 8 jours. Non, 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 12 000 francs, Vincent, on gagne 1 000 francs. 1 000 francs. Ah oui, 1 000 francs, pardon. 1 000 francs. 1 000 francs, c'est la Turquie, c'est un très beau voyage. Mais c'était derrière. Avec qui vous allez y aller? Ma voiture. On verra bien. Bah, je verrai. Plouf, plouf, ça sera toi qui iras en Turquie. Eh, Ziva, vous pouvez retourner aux Antilles. 68 200 francs, la voiture. Merci d'avoir été avec nous. Tel était le jeu. Bon retour à vous tous. 1 000 merci de ta sympathie. Merci au public d'avoir fait le déplacement. Bientôt les vacances. Dans quelques jours, ce sera la dernière. Salut à tous. Ciao, bye bye. Au revoir, mon ami Vincent. Au revoir, les petits terriens. Au revoir, tout le monde. Et adieu, mon ami. Ciao, ciao, ciao.